Salut à tous, c'est PPJ, PPJ34, toujours sur Winamax. Je fais une petite vidéo assez courte aujourd'hui, ça va pas être du cash game, c'est vraiment une petite vidéo pour ceux qui ont des problèmes à mettre plusieurs tables sur leur écran et qui des fois doivent en acheter un autre ou se contentent de jouer par exemple que 6 tables, faute de pouvoir acheter un deuxième écran. Je vais vous montrer une petite astuce rapide. Donc vous allez sur Google. Vous tapez Desk Space, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez et vous aurez en lançant le logiciel cette petite icône en bas à droite. Donc évidemment, je vous montre rapidement le concept. Une fois que c'est installé, vous pouvez mettre vos tables sur un deuxième écran et retourner sur le principal avec Ctrl. La flèche qui est au-dessus du contrôle, mais c'est marqué dans les options, je vais vous montrer directement dans les options du logiciel. Faut avoir un PC qui rame pas trop parce que c'est le bordel sinon. Hop là. Donc je vous montre dans les options rapidement. C'est voilà, là sont les raccourcis. Donc je pense que on peut mettre le raccourci qu'on veut, mais là pour l'instant en défaut c'est CTRL flèche 1. Je viens juste d'avoir ce logiciel, donc à mon avis on peut mettre juste 1, voilà. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc là on va tester rapidement. Donc si vous voulez aller sur le deuxième écran. Il y a une petite option aussi qui avertit dans les options, j'ai pas encore bien regardé, quand il y a quelque chose à faire sur une autre table peut-être. Donc là, si vous voyez, si j'appuie sur le 2, je vais direct sur mon deuxième écran. Donc voilà, c'est assez sympa, je pense, pour ceux qui ont pas envie d'investir dans un écran. 1, 2, donc je vous montre, ça fait un petit peu comme un cube. On peut aller de gauche à droite, de haut en bas. Voilà. Donc je pense que c'est assez sympa pour ceux qui veulent multitabler et pas investir dans un écran. Hop, et voilà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. À plus.